Ouh, 38,2. Ben dis donc, ça fait mal au cucu, ça. De ta mère. Tic numéro 1. Chez la très jeune maman, la bouche qui se tord quand elle donne la cuillère pour bien montrer que sa bouche, que la petite cuillère est le prolongement de sa cuillère. Et le prolongement de sa bouche. Une cuillerée pour mamie. Une cuillerée pour papy. Un tic qui fonctionne aussi quand on prend la température. Tic numéro 2, les oreilles qui vous écoutent mais en fin de compte elles vous écoutent pas, pendant que les yeux font un check-up total pour bien vérifier que vous avez pas maigri, que vos dents sont pas jaunes, que vos yeux sont pas rouges comme à cause de votre suite n'est pas trouvé. Votre... Et ça se passe bien à Montpellier ? Oui, oui, c'est sympa. Écoute, on a trouvé un petit studio avec Nathalie. Écoute, moi je suis ravi parce que j'ai le temps de faire... Tic numéro 3, quand vous repartez que votre mère vous raccompagne sur le palier, le sourcil tragique et l'œil de chien battu pour bien montrer que vous l'abandonnez comme un chien sur l'autoroute l'été. T'es sûr que tu veux pas encore un peu de jambon ? Non, non, non. D'accord. Allez, allez, sauve-toi, abandonne ta mère. Je peux rester une... Mais non, tu fais pas de soucis pour moi, tout va bien. Et embrasse Anne-Sophie, hein. Allez, à la semaine prochaine, hein. Tic numéro 4, dès que tu as une toute petite tache, la salive sur le doigt et le doigt qui gratte la tache, pour bien montrer qu'elle t'aime tellement qu'elle pourrait te cracher dessus rien que pour ton bien. Ah, et puis tu travailles bien, tu me ramènes des bonnes notes, hein. C'est important le collège, hein. Oh, Mathieu, tu t'es encore fait une tache, là. Attends, bouge pas. Enlève ça. Et tic numéro 5, qui existait déjà à l'âge préhistorique, le plus humiliant, le nez de ta mère qui renifle tes affaires sales pour bien vérifier qu'elles sont vraiment sales. Avec ton nez, avec... Non, avec le nez de ta mère. C'est sale, ça. Tiens, Anne-Sophie, passez-moi le casson de Mathieu. Là, juste en dessous du lit. Merci. Eh ouais. Oh ! Tu t'es fait une tache sur la baguette. Bouge pas.